Salope à tous, c'est Libia, on se retrouve aujourd'hui sur PoE pour la suite du build Toxic Rain. Alors nous allons débloquer le labyrinthe, le deuxième labyrinthe. Donc nous allons faire les trois petits pièges, hein, les trois petits parcours de pièges. Et ensuite le labyrinthe. Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu. Donc nous allons déjà commencer par faire comme si je n'avais pas fait déjà les petits labis pour débloquer le labis, hein. Donc, il nous faut l'acte 6, la prison, l'acte 7, la crypte, et l'acte 7, la chambre des secrets niveau 2. Donc, entre-temps, vous pouvez remarquer que moi j'ai EP l'archer niveau 67 actuellement. Donc, je vais bientôt reprendre la suite des vidéos. Pour l'acte, la fin de l'acte, bah pour continuer l'acte 9 et le 10. Donc on a dit il fallait qu'on aille à l'acte 6, la prison, la prison, la prison, la prison, la prison, c'est ici. Donc je crois que c'est vers le haut. Non, bah pas du tout. Bon, là, ça va être de trouver. Attendez, attendez, parce que. Non, on n'a pas besoin, je suis bête. J'en ai besoin pour mon reroll, mais vu que je ne joue plus en normal, je joue qu'en hardcore. En ce moment, j'en ai pas vraiment besoin. Hop, hop, hop. Ça doit être par là, je pense. Hein. Non. Pas par là non plus. On va y arriver. Hein. Pas par là non plus. Alors. Hop. Non, c'est pas le bon chemin non plus ça. Peut-être si on continue. Ouais, c'est ça. Bon, on y est. On n'y est pas. C'est ici. Voilà. Bon. Je suppose qu'il faut déverrouiller la porte. Sur ça pique. Oula. Oula. Alors, comment ça fait? Ça fait. Ok, ça vient comme ça. Hop, on tripote le levier et donc du coup faut se retaper le chemin. Hop, là, pour le retour c'est plus facile. Hop, ça a été facile. Ah bah il y en a encore. Ok, c'est un sur deux quoi. On va se mettre là. Hop. Bon, celui-là, on va dire que c'était assez facile. Hein. Paf, ça le débloque. Donc c'est l'acte 6. Donc nous devons aller à l'acte 7, la crypte et la chambre des secrets. Donc on va éviter de perdre trop de temps. Donc acte 7. La crypte. Hop, c'est parti. Peut-être passer par là. Je le sens bien par là. Non, c'est pas par là. Ah! Bah. Ah, j'ai vu un. Je vais pas les faire. Hein. Je suis pas là pour ça. Bon, ça aussi, elle vient m'embêter.
On ouvre la porte. Ah. Comme elle vient. Ah. Alors ici, va falloir la jouer fine. Voilà. On prend un peu de dégâts. Hein. Ça les écarte. Oula, oula, oula. Ok, bon, c'était pas génial, hein? On va pas se mentir. Faut réussir à écarter le switch au premier et ça les fait s'écarter, décaler. Donc après, faut quand même y aller mollo, hein? Parce que ça peut piquer. Donc là. Ok, on va là, on va là, on passe au milieu, on va là. Oula, 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 oula! Ah! Ok, donc là. Celui-là, il va jusqu'au bout. Celui-là revient, d'accord. Ok, donc faut attendre ça qu'il reparte. On le suit. Hop, hop. Bon, j'ai pris un peu trop de dégâts. Là, on trace normalement. Voilà. Là, c'est facile. Là, c'était facile. On tue les araignées. Pour ceux qui le feront pour la première fois, il y a une recette ici. On clique ici pour le débloquer. Et on prend le portail qui va nous ramener au début. Donc, pour vous rappeler, ici vous avez le premier switch, il faut juste cliquer dessus pour en décaler un. Après, il faut y aller progressivement. Hein. Faites très attention parce que en hardcore, je suis mort 4 fois dessus. Avant de pouvoir le réussir. Hein. C'est assez... Et celui-là, il est assez chiant. Moi, j'aime pas les rouleaux comme ça. Je suis pas fan. Donc après, c'est la chambre de Sin 2. Donc il faut descendre tout simplement. Donc pour trouver l'escalier, c'est très simple. Il y a le TP, bah, c'est droit en face en fait. Donc là, il faut trouver. Donc c'est déjà pas par là, comme ça c'est fait. Ah. N'hésitez pas à les faire aussi pendant que vous faites le leveling, hein, si vous tombez dessus. Hein. C'est pas par là. Pas par là non plus. Décidément. On va récupérer ça. Mais il reste que par là du coup. Ouais, on est reparti. Donc, on va tenter par là. On voit le bouquin là-bas. Oh, il y a du bleu. Paf. Paf. Donc c'est ici. Ah, c'est les scies, donc ça va. C'est moins chiant. Hop, on suit celle-ci, on suit celle-ci, on passe. Bonjour. Alors là, il y a des time-made. Alors si on clique là, ça arrête ça. Ok, donc ok. Là-dessus, ça arrête ça. Et ça arrête ça. Mais comme on est archi, on s'en bat les couilles. Parce qu'archi, on peut faire ça. Il suffit vraiment de se mettre dans le bon angle. Et vous pouvez. Hop! 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 Il faut aller au levier là-bas. Oh non, j'ai raté. J'ai raté. J'ai visé après le levier et non, en fait, non. Ah, la porte est fermée. Donc là, on suit. Hop! Hop! Donc là, je suppose que ça ouvre la porte, on s'en fout. Et on est arrivé. Voilà, donc le petit avantage de l'archer, quand même, du TP de l'archer, est quand même pas dégueu. Bon, là, on a tout fini, donc du coup, on peut aller faire le labyrinthe. Portail. Je vais ouvrir, pour moi, vite fait, le lab machin. Donc, hop. On y va.
Donc c'est le cruel normalement. Si je me trompe pas. Oui. Donc c'est le cruel. Donc. Ok. Bon bah on va essayer de faire un peu du tout droit. Ça devrait le faire. Après c'est du 55, hein, donc on est 67. Si je l'active pas, ça marchera pas. Donc on clique là. Activate. Et on est parti. Mon kiki. Attention, premier, vous avez deux chemins, donc il faut trouver le bon qui nous permet d'aller directement au boss. Une porte ici. Donc c'est pas le bon. Parce que là, on descend et nous, on va aller tout droit. Hop! Est là-bas. Je la vois, je la vois, je l'aperçois. Façon, c'est écrit sur la porte aspirant trial. Hein. Donc, on peut pas se louper. N'oubliez pas que vous avez trois totems à poser si vous avez bien mis les multiples totems. Hein. Cliquez deux fois, ça en fait quatre, mais ça sera compté que trois. Et là, on a ce mat. Fais attention. Bon, ça lag un peu, excusez-moi, c'est le matin, première fois que je démarre le jeu. Bon, il est fini, hein, donc il finit sa petite, il finit son pattern. Mais moi, mon archimirage a continué à taper comme un débile. Alors là, on aura une salle, une pièce, un chemin intermédiaire ici, et après, on nous aurons. Nous aurons le chemin. Donc ces trucs-là, les 6, c'est assez facile hein, à passer. Faut pas arriver qu'à dedans. Hein. Logique, on va dire. Hein. Donc, est-ce qu'on n'irait pas un peu par là? Voir. Oui, c'est vrai qu'ici nous avons un chemin en plus à faire. Bah, dis donc. On va quand même tuer les trucs pour éviter de mourir bêtement par des dégâts qu'on ne ferait pas attention. Bon, j'aimerais bien voir une porte un peu là. Là, il y a une porte. Donc c'est bon, c'est tout droit. Voyons. C'est ce qui s'appelle un coup de bol. J'espère que. De toute façon, je peux pas. On peut pas vraiment. Je peux pas vraiment vous dire. Le jour où vous le ferez, ça sera le même. Donc. On fait ça plus pour les. Pour vous montrer les. Hop! Quel couillon! Oh là là. Faudrait que je fasse un petit peu plus attention à ce que je fais. Donc là, c'est facile. Alors là, quand il va remonter, je vais passer. Hop! Je pense qu'on va aller par là pour voir. Du coup, je vais te mettre gouré deux chemins, vous inquiétez pas, ça va pas être le bon. Une porte là. Ah si, aspirant, c'est le bon, c'est le bon. Oh bah, on a de la chance. Hein. On a de la chance. Parce qu'on aurait pu mourir déjà. Tac, 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 tac. Mortal Call.
Alors ici, juste pour comme ça un petit aparté, on va faire tout de suite le bot. Pour les gemmes, ici moi j'ai mis un creuset du rat, mais vous pouvez aussi bien mettre un autre val, ce qui est le cold snipe pour servir du val. Moi je l'ai pas mis, mais vous pouvez le faire à la place de la durée. Ouh! Je suis resté un peu devant. Normalement, il est fait, hein, je crois. Il finit juste sa pattern. Hein. Oh, il m'a défoncé. Troisième va être un peu violent. Donc ici, soit le haut, soit le bas. Le premier chemin qu'on va trouver. Hop, on défonce les barils. Ok. On va commencer par là. Hein. L'impression que c'est le même que tout à l'heure. On va se mettre là. Vraiment l'impression que c'est le même que tout à l'heure. N'hésitez pas à tuer aussi, hein, une fois que vous avez pris quelques pièges, pour à moitié les popos. Ouais. Oh, j'ai des petits frissons, c'est énervant. Ah, c'est parce qu'il y a une. Sur le site du labi, il y a une vidéo là. Qui tourne depuis tout à l'heure. On va mettre pause. Ça évitera qu'elle me bouffe un peu mon truc, ma bande passante, parce que j'ai quand même pas une superbe connexion. Ça avait l'air de ressembler au chemin d'avant, donc on va faire ça. Hein. Donc là, on s'en fout que ça soit haut et bas, c'est pareil, hein, c'est le premier chemin qu'on passe. Par contre, là, il nous faudra trouver gauche, gauche. C'est quoi qui est tombé? Non, on s'en fout. Une porte là. C'est pas celle-ci. Donc on va aller par là. Cours, Forest, cours, cours. Voilà, le dernier. Espérons que ça va se bien se passer. Oh. Ouais, bon bah. Ça dégage. Ah, j'ai tué des trucs, j'ai qu'une clé. Ah, bizarre. Bon, bah, de toute façon, on n'est pas venu là pour ça. Hop! Bon. D'accord, bon bah. T'es pas dégueu ce petit coffre? Vu que j'ai qu'une clé, de toute façon, le problème va rien dans lui. Bon voilà, on peut fermer le PO lab pour le lobby, c'est fini. Donc là, on peut mettre un enchant sur les bottes ou les gants. On va mettre sur les gants parce que c'est mes définitifs.
Ouais. Du coup, on va parler ici. Et là, on peut mettre à nouveau 2 points. Alors là, vous avez le choix. Soit vous venez ici chercher nature adrénaline, soit vous venez ici. Donc, comme vous voulez, soit vous préférez tout de suite des dommages, soit c'est du mouvement speed avec les flaques. Moi, je vais prendre plutôt les dommages en priorité. De toute façon, après, il faut faire ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, et ça. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez éviter peut-être de prendre celui-là si vous voulez prendre celui-là. Pour enlever le bleeding dès que vous usez une flaque, une flasque. Si vous avez des petits soucis avec le pour avoir les popos avec les bleeding, les poisons, les trucs comme ça peut être intéressant. Après, c'est pas très dur à faire les popos, donc voilà. Donc nous on a pris ça, on a pris les points, on aura un peu plus de dégâts KO, 30%. C'est pas mal. Donc il nous restera le troisième labi, le quatrième et finir les deux actes. Hop, j'avais oublié un point de compétence ici. J'en étais où? Là je prends 8% de vie et j'ai du lige vie. Sauf que je vienne là, ou sinon on peut en prendre un là pour 5%. On va prendre l'autre, hein. On va prendre celui-là. De toute façon, on doit venir ici, ici, ici. On doit monter ici, après on redescend, et après on va par là. Donc c'est très simple. Eh ben écoutez, voilà, le deuxième labyrinthe est fait. Ça s'est pas trop mal passé. On va ranger l'exa que j'ai looté hier. Hop, 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 hop. Ça c'est bon. Un bordel dans ce coffre. Tech. Hop, on est pas mal. Est-ce que tu vends des trucs intéressants? Ah, j'ai une quête à valider. Impeccable. Le savais pas. Bon, bah sinon elle vend rien. Hop, hop. On va peut-être l'identifier avant. 57 de life. Tac, tac, tac. Et ça me donne quoi? Pas de vie là-dessus. On verra. On verra. On va la mettre de côté, celle-ci. Ça, on vend. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le labyrinthe vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour l'acte 9 à faire et le 10. Avant le 9, je vais quand même vous, avant de partir, quand je vais lancer le 9, quand même vous montrer un peu le build, les trucs que j'ai achetés pour refaire un petit point sur le stuff. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, amusez-vous bien!